Nathalie Spice. Tout a commencé hier quand on a capturé un savant fou hyper malveillant. Et ça, c'était plutôt cool. Mais ensuite, nos mères ont débarqué à l'improviste et elles ont découvert qu'on était des Spice, ce qui n'est pas cool du tout. Puis Mandy et ses copines sont devenues des furies sans raison apparente. Elles nous ont violemment agressées pour nous éliminer. Là, on a réalisé que le sérum ultra ciblé destruction de Spice du savant s'était répandu dans le jacuzzi de Mandy et les avait contaminées. Après ça, Mandy a enlevé nos mères et bien qu'elle nous ait formellement interdit l'espionnage, on va devoir s'y remettre. D'autant plus qu'on est nés pour ça, c'est en nous. Mandy a peut-être semé un indice permettant de savoir où elle a emmené nos mères. Tu veux dire un truc comme ça? Qu'est-ce que c'est? Une publicité pour une station de ski? Voilà! Voilà quoi? L'endroit où Mandy doit les détenir! Ses parents lui ont fait construire un chalet dans cette station! Oh, c'est vrai! Elle n'arrêtait pas de dire qu'il était sublime pour rendre tout le monde vert de jalousie! Ça marchait avec moi! Si c'est le cas, pourquoi elle a laissé traîner ça puisque ça peut nous conduire jusqu'à elle? Parce qu'elle est incroyablement stupide! Ou alors, elle a fait exprès de nous tendre un piège. Dans le doute, mieux vaut être prudente. Dans ce cas, on devrait appeler des renforts! S'il nous faut de l'aide, je connais un homme un peu chauve qui répondra présent. Malheureusement, il ne nous a toujours pas donné son numéro. Ça s'annonce mal, les filles! Qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne peut pas joindre Jerry, allons lui rendre visite au Whoop. Nous avons perdu nos meilleurs super spies. Il faut bien les remplacer par des recrues de qualité équivalente. Ces deux-là feront peut-être affaire. Non. Oh là là, c'est trop super. Ah ouais? Peut-être, oui. Je vais les tester. Excusez-moi, les garçons, pourriez-vous répondre à une question? D'accord, grand-père, vas-y, envoie. Si vous deviez choisir entre escalader un glacier les yeux bandés, hein, traverser l'océan dans un canot de survie crevé, ou arrêter une locomotive à main nue, vers quoi orienteriez-vous votre choix? On préférait rentrer chez nous jouer à la console. Salut! Apparemment, ils n'ont pas le gène de Spy. Je commence à penser que trouver des remplaçants compétents pour Sam Clover et Alex sera plus compliqué que prévu. Prison ressemble plus à une horrible station de ski pour désœuvrer en mal de luxe. Calmez-vous, vous allez vous faire des rides. Maintenant, voyons combien de temps vont mettre les Spice pour sauver leur maman. Et quand elles viendront, on les accueillera. D'accès soit encore valide. Bien sûr qu'ils le sont. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit souci avec nos mamans qu'on est devenu indésirable. Whoop. Accès refusé. Accès refusé. D'accord, j'ai très mal dormi parce que j'étais inquiète pour ma maman, mais je me souviens parfaitement de mon code d'accès. Attendez, j'essaie le mien. Accès refusé. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Laissez-moi essayer encore. Gladys a toujours eu un faible pour moi. Accès refusé. Ah oui, elle t'adore, c'est sûr. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez votre petit jeu ridicule et ouvrez-nous tout de suite. Désolée, mais vous n'êtes plus des agents du Whoop. Je ne peux pas vous laisser entrer. Et notre gène spécial de Spice, qu'il compte pour du beurre? C'est pour une urgence, Gladys. Ouvrez, on a besoin d'aide. Oui, Mandy a kidnappé nos mères. On doit voir Jerry immédiatement. Jerry s'est absenté du bureau. Pour le rencontrer, il faut prendre un rendez-vous. D'accord, et quand sera-t-il disponible? Désolée, seuls leurs agents du Whoop peuvent prendre rendez-vous. Bonne journée. Refus catégorique. Bon, alors on fait quoi?
Je sais. J'écris à Jerry et je lui raconte ce qui s'est passé. Génial! Et puis d'ailleurs, je lui avais promis qu'on lui écrirait. Non mais ça va pas. Envoyer une lettre, c'est un truc préhistorique. Il ne la recevra pas avant des jours et des jours. Bien sûr que si, si je l'envoie par avion. Oh, t'es trop intelligente, Sam. Cela dit, comment la faire parvenir dans le bureau de Jerry? C'est facile, je vais aller la livrer moi-même là-haut. Brillante et courageuse. Sois hyper prudente, Sam. Oui, prends ton temps, une barre à la fois. Et regarde vers le haut, sinon tu vas avoir le vertige. Ça m'est arrivé une fois dans la grande roue d'une fois. Oh, j'ai pas pu garder mon petit déjeuner. Les filles, ça suffit, vous allez me stresser avec vos histoires. D'accord, on se met. Oui, désolée. Voilà, le plus dur est passé. Décollage. J'ai arrivé, Sam. Oh oui, c'est super. Finalement, ça m'a servi de vous passer des petits mots en cours. C'est quoi notre plan maintenant? Avec ou sans l'aide de Jerry, il faut essayer de retrouver nos mères. Mais si on arrive à repérer l'endroit où Mandy les tient prisonnières, il nous faudra des gadgets pour les libérer. Et vu l'accueil glacial de cette chère Gladys, c'est pas elle qui risque de nous en prêter. Je sais où on va s'en procurer. Boutique de bricolage à Beverly Hills, c'est fou. Ouais, même les gens riches et célèbres font parfois des travaux manuels. Nous, on n'a pas besoin d'être célèbres pour sauver nos mamans. Allons-y. À nos bricots gadgets. Oh, c'est parfait, ça, pour entrer par effraction. Pas besoin de ceinture à câble hyper extensible quand on a un tuyau d'arrosage. Hé, qui veut des raquettes pour marcher dans la neige? Ça peut toujours être utile des ventouses. Et l'équipement d'une espionne n'est jamais complet sans une super combinaison hyper tendance. Et maintenant, volons au secours de nos mamans. Puisque le recrutement par approche directe n'a pas été une réussite, il faut employer une autre tactique. Mais quoi? Une annonce! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Alors, vous voulez vous mettre en danger? Vous aimez les frissons et la discrétion? Ne manquez pas l'opportunité que vous offre le whoop! Gladys, je vous ai demandé de vous entraîner à l'art du pliage en dehors des heures de travail! Ce n'est pas moi qui ai fait celui-là, Jerry. Donc... Mais que vois-je? C'est une lettre! Que m'ont adressé les filles? Ah, cher Jerry, Mandy et ses amis se sont transformés en spy assassins après qu'on ait fait accidentellement tomber le SUDS dans leur jacuzzi. Elles ont kidnappé nos mères et les ont emmenées à Sugar Flag dans le chalet de Mandy. S'il vous plaît, aidez-nous, Sam, Clover et Alex. Gladys, préparez immédiatement l'hélico, je pars les rejoindre. Tu l'as dit, je ne saurais pas lequel choisir si un richissime admirateur voulait m'en offrir un. Ça suffit, par où on commence nos recherches? D'abord, il faut savoir où Mandy a enfermé nos mères. On va commencer par le chalet de Mandy, d'accord? Comment être sûr que c'est bien celui de Mandy? Bah regarde, ce gigantesque M n'est pas l'initiale du mot machine à laver. Ah bah non, c'est sûr, hein. Chance, c'était facile à trouver. Un petit peu trop facile. Restons bien sur nos gardes. Mandy nous tend sûrement un piège. Je ne suis encore jamais tombée dans un piège aussi énorme. Allons voir quand même. Mmh.
rendez-vous à côté des fenêtres latérales. Je force la porte avec cette ouvre-boîte et je vous ouvre. Rendez-vous à l'intérieur. C'était les voix de nos mères. Oui, mais ça ne venait pas du chalet. Vite, on se met les raquettes de badminton aux pieds. Parfait le gadget, Alex. Désolée, je pensais que ça aurait pu être une bonne idée. Question surtout, c'est comment on va les faire descendre. Ne t'en fais pas, je viens à ton secours, maman. Bon, lancez le tuyau, Clover. Je m'en serais jamais cru capable. D'habitude, je me contente de brancher l'arrosage automatique. Très mal habillée sur un pot de miel. Quelle tenue hideuse. Oui, elles font tâche dans le paysage. Silence! Tenez-vous prête pour l'assaut final. Je devrais ajouter le grimper de tuyau à ma gymnastique quotidienne. Moi, je préfère les méthodes classiques. Où est mon bon vieux gadget propulseur? On va lâcher prise et il faut vite entrer dans la cabine. Oh, ce truc est plus glissant qu'une planche à savon de la foire de Beverly Hills. Comment on va grimper là-haut? Tiens, moyen, on plante ça et on s'y agrippe. Bon, d'accord, mais on fait vite. Je suis déjà assez humiliée comme ça. Samantha, attention! Ne vous en faites pas, on va vous sortir de là. Maman, tu vas bien? Je suis soulagée. On est parti à votre recherche dès qu'on a su que vous aviez disparu. Oh, ne t'en fais pas. Vous nous remercierez plus tard. Il faut filer d'ici au plus vite. Je sens une vibration hyper négative. Pourquoi vous êtes en colère? Et les choses étaient claires. Nous vous avions formellement interdit de continuer l'espionnage. Et dès que nous nous absentons, vous y retournez tête baissée. Excusez-nous du peu, mais on vous a désobéi pour sauver vos vies. Désolée de venir vous sauver, hein. C'est parce que vous êtes des spies qu'on nous a pris en otage. Et qu'est-ce qui se passe? On est enfermés. Jusqu'ici, cette tentative de sauvetage n'est pas un véritable succès. Je savais qu'on aurait dû prendre un truc pour faire levier à la quincaillerie. Aucun gadget de bas de gamme ne pourrait vous aider, les spies. C'est moi qui contrôle la situation. C'était un piège, t'avais raison, Sam. Je ne connais cette petite Mandy que depuis quelques heures, mais vu son comportement, cette jeune fille a un problème. Elle est particulièrement jalouse. Bonne descente, les spies. De s'écraser comme des œufs en neige à l'arrivée. Ne vous en faites pas, je vais nous sortir de là. Oui, mon gadget était tout de même utile. Non seulement on va s'écraser, mais en plus on va attraper un rhume. Ta mère a raison. J'espère que ça fait partie d'un plan plus développé, Samantha chérie. Tout à fait. Allez, on enlève nos combinaisons. Excuse-moi, mais je ne peux pas, sacrifier cette merveilleuse combinaison bleue taille XXL. Oh, mais ça, c'est pas gentil. Et
à quoi ils vont nous servir, ces trucs? On les utilise comme parachutes et on saute. Les mamans, on vous offre votre baptême de l'air. Mais c'est de la folie, il est hors de question que... Oh, je t'aime, ma chérie. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? On saute. Oh, ça fonctionne. J'adore ça. J'avoue que je ne sais plus trop quoi dire. Super, on continue. Oh, encore des remontrances sur le fait d'être Spies. En fait, nous vous trouvons extraordinaire. C'est vrai, vous le pensez? Oh oui, absolument. Et quelle équipe de choc vous formez. Vous êtes très complémentaires. Oh oui, sans fausse modestie, on ne se débrouille pas trop mal. Je suis ravie que vous ayez pu sortir à temps de la cabine, parce que sinon, on n'aurait pas eu l'occasion de vous pourchasser avec nos super scooters. Il n'est pas question que ces petites pestes s'approchent de nos mères. Et si on utilisait ça comme snowboard? Tu prends goût à bricoler des gadgets? On se disperse. Pourchassez-les et ne les laissez pas s'échapper cette fois. Tu veux te mesurer à moi, Alex? Tu devrais pas. Tu dois avoir froid comme ça. J'ai de quoi te réchauffer un peu. Encore pire de surfer avec le super gadget d'Alex sur la neige fondue. Hey, mais ça va pas à la tête. Quel massacre, cet accessoire m'a coûté les racines des cheveux. Hyper classe ton snowboard. Où tu l'as trouvé, à la maison du bricolage ou dans une benne à ordures? J'ai des talents d'improvisation, moi au moins. Voyons jusqu'où va ton sens de l'improvisation. Ça commence à me fatiguer, moi, d'esquiver leurs attaques. Ouais, moi c'est pareil, il faut se débarrasser de ces punaises venimeuses. Regardez devant. Exactement ce qu'il faut pour calmer Mandy et ses copines. Travail. Il faudrait peut-être aller les récupérer avant qu'elles soient congelées. Oh. Et si on les laissait comme ça? Jerry! Les voilà! Oh oui, elles sont là! Et je vois qu'elles ont réussi à neutraliser ces criminels. Oh, vous devriez peut-être mettre cette petite Mandy sous les verrous pour longtemps, croyez-moi, Harry. C'est Jerry. Les vibrations de l'hélico viennent de déclencher une avalanche.
À suivre.